Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champ Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Avec le musée et jardin Cécile Sabourdi, plongez dans le riche univers de peintres bruts, naïfs et singuliers. Pour notre rubrique Vue, le regard poétique de Sabine Delcourt sur le delta de la Leyre. Rendez-vous au bout du monde avec Cartographique, des illustrateurs qui font aimer les voyages. Avec le petit théâtre de Pin installé au Pays Basque, le théâtre se fait intelligent et populaire tout à la fois. Dans la rubrique Lu, mon voisin Raymond, la rencontre de Troups avec un vieux paysan périgourdin. Les riches heures font leur festival à l'Aréole, plus petit bourg de France classé ville d'art et d'histoire. C'est dans cet écrin que se retrouve le meilleur des musiques anciennes. Champ Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. On peut être un tout petit village et disposer d'un musée d'exception. C'est le cas de Vic-sur-Breuil. Son ancien presbytère du XVIIe siècle accueille les œuvres d'hommes et de femmes qualifiées de naïfs, bruts et singuliers. Définir les bruts, les naïfs et les singuliers, c'est très compliqué. Ce sont des artistes qui créent à l'écart des structures habituelles, donc des musées, des écoles d'art, qui viennent de milieux modestes et qui sont dans l'impulsion et la spontanéité. Donc ils amènent beaucoup d'étrangeté dans leur travail. Les œuvres de Cécile Sabourdi, c'est elle qui ont servi de point de départ à ce projet de musée. En fait, elle vient d'un village voisin, Saint-Priest-Ligours, et c'est une femme qui est née à la fin du 19e siècle, qui est décédée en 1970. Donc il y a une vie longue d'artiste, mais on s'est aperçu que le Limousin dans son entier est une espèce d'île, et c'est un gisement de pratiques autodidactes et singulières. Donc on va trouver Sabourdi, mais on va trouver aussi Existence, qui vient d'un village voisin, on va trouver Maurice Loirant, et grâce à Cécile Sabourdi, en fait, on peut se permettre de montrer des auteurs inconnus mais de grands talents, des obscurs et des mal-aimés qui trouvent leur place chez nous et qu'on met en lumière. Parmi ces obscurs ou mal-aimés, il y a Roger Bichard, considéré comme simple d'esprit, et pourtant le créateur en 50 ans de plus de 3500 dessins. Alors Roger Bichard, c'est ce personnage improbable qui vécut une vie romanesque complètement obscure. C'est un homme du monde rural, donc on y retrouve aussi tout ce qui fait le sel de la vie rurale. De temps en temps, une machine magnifiée, donc un camion, on en connaît des dizaines de sa main. Il existe des dizaines de billets de ce type qui sont des reproductions. On a souhaité y associer la figure iconique la plus fameuse au monde, c'est-à-dire la Joconde. Il a su capter à la fois ce qui était le charme et l'étrangeté de ce regard et de ce sourire, mais il en a fait autre chose. Je l'aime particulièrement parce qu'elle est encore plus belle que la vraie. Et qu'il y en a, en vérité, il n'y a pas que celle-là. Il y en a tout un cahier. En tout cas, elle m'émeut plus que la vraie. Voilà. On va voir un film documentaire que j'ai réalisé en 2015 à propos des dessins de Roger Bichard. C'est-à-dire que je suis partie des dessins qui ont été retrouvés dans la maison de mes amis et j'ai cherché à savoir ce que je voyais en fait. Je me suis promenée dans le village et aux alentours et en frappant aux portes, je suis rentrée en contact en fait avec des personnes qui ne savaient pas ce qu'ils dessinaient mais qui connaissaient Roger Bichard et qui ont toutes passé au moins une heure et demie à regarder ses dessins et à raconter ce qu'elles voyaient dessus. Il est sorti de l'école, il a toujours travaillé avec son père. Oui, toujours, là, la carrière, voilà. Et personne ne savait qu'il dessinait comme ça. Non, moi, je l'ai connu quand je suis venu là, en 60. Un canon. La fin, on le connaissait bien, mais pour le comprendre des premiers temps. Ah ben, celui qui a pour l'habitude, hein. Eh ben, il était plus habile que certains disaient. Moi, ça m'étonne vraiment, vous aussi, c'est pareil, on a la même pensée. Et c'est ce qu'on essaye de rechercher, comment il a fait ça, à quel moment, et tout ça. Roger Bichard, c'est ce personnage improbable qui a été méprisé toute sa vie, qui a été laissé de côté, qu'on prenait pour un simple, et qui était en fait un homme fin, pourvu d'un grand sens de l'humour, et surtout un dessinateur naïf de génie.
pense que c'est un atout quand on a une sensibilité que d'être en milieu rural, parce que justement, jusqu'à une époque récente, on pouvait éviter d'être parasité par la grande culture. Et ça permet aussi de créer autrement. Donc notre rôle à nous aussi, c'est de montrer l'altérité, plus que la ruralité. Et la ruralité, elle permet peut-être ça, d'être autre. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. C'est peut-être parce que Sabine Delcourt a passé une partie de son enfance dans le fond du bassin d'Arcachon, les pieds dans la vase, qu'elle a choisi de réaliser une série de photographies sur le delta de la Leyre. Pour cet artiste, qui dit avoir un rapport très physique à l'espace, la vase constitue un élément à part entière, vivant et mouvant. Cette vase, omniprésente dans cette partie du bassin, Sabine Delcourt l'a photographiée aux quatre saisons, à la faveur d'une carte blanche du Conservatoire du Littoral. Pendant un an, l'artiste a photographié ces paysages totalement plats, entre eau et terre, et pour la plupart inaccessibles au public. On marchait dans la vase en raquette, on s'enfonçait parfois jusqu'à la taille, explique Sabine, qui part photographier comme on part en expédition, chargée d'une chambre photographique aussi encombrante que précieuse. Une pièce unique, fabriquée au Japon, en ébène et titane. J'arpente le paysage, j'observe, je m'installe, j'attends la bonne lumière, je renonce parfois, je prends mon temps. Le résultat, ce qu'elle appelle des aberrations optiques. Des flous, des îlots de netteté, des lignes de fuite, autant d'éléments qui confèrent une immense étrangeté et un pouvoir hypnotique à ces images. Le delta de la Leyre, ou comment plonger en eau trouble. Depuis la Charente-Maritime, connexion immédiate avec l'atelier cartographique, un tandem d'illustrateurs voyageurs. Donc je travaille au sein de l'atelier cartographique que j'ai créé avec Sarah, qui m'accompagne. Alors on travaille essentiellement pour de la presse, pour ce qui est de nos clients étrangers. Il y a pas mal de magazines de voyage, de road trip, de roadbook qui ont une attente, qui ont une demande de cartographie. Un de nos premiers ouvrages en fait a été un pop-up justement qui a trait au voyage qui s'appelle Les routes de légende. Il a été traduit en anglais et en allemand, donc il est disponible aux États-Unis. On a quelques retours de temps en temps, c'est assez intéressant de voir que ces livres-là ont une vie propre et ils voyagent également. Et on s'est dit finalement il serait quand même de bon ton et intéressant d'aller voir le monde un peu plus profondément et quitte à y rester un peu plus que 15 jours ou un mois. Donc on est parti en premier temps pas très loin, en Andalousie, et ça nous a beaucoup plu, et on a bougé à différents endroits en Andalousie jusqu'à au détroit de Gibraltar. On a été au Portugal, on a été en Allemagne, à Hambourg, on a fait quelques extrêmes avant donc de venir s'installer ici en Charente. Travailler ici pour parler, pour traiter en fait de l'ailleurs, ça pourrait paraître non légitime, on va dire, si comme Hergé, je dessinais Tintin et que j'avais jamais été nulle part. En l'occurrence, si on fait ce job-là, si on aime faire ce job-là, ce travail-là, c'est non seulement parce qu'on aime dessiner, raconter les choses à la manière d'un écrivain, d'un récit, sauf que le récit est entièrement visuel. Et c'est l'idée de notre travail, c'est de livrer un témoignage visuel. Théâtre de Pin est installé au Pays Basque depuis près de 25 ans. Profondément ancrés dans leur territoire, les comédiens de cette troupe sont en résidence à Espelette, le temps de trouver l'inspiration de leur prochaine création. Le Petit Théâtre de Pin est né sur les bancs de la fac.
on s'est tous accordés sur une manière de vouloir faire théâtre, qui était d'amener le théâtre partout où il n'allait pas. Donc on s'est dit, tiens, si les gens ne vont pas au théâtre, alors peut-être que le théâtre peut aller vers les gens. Et à l'époque, donc il y a de ça 25 ans, on ne connaissait pas, on ne savait pas encore que le théâtre de rue existait, par exemple. Au départ, c'était très fort, parce que justement, il y avait un Landais, une Béarnaise, des Basques, des Girondins, quelqu'un qui venait de Dordogne. Donc on s'est dit, bah, tiens, faisons une tournée chacun dans son village, en gros. Et la première tournée d'Un, deux, trois soleils, elle s'est faite comme ça, elle s'est construite sur l'appartenance géographique de chacun. C'était un pré-travail pour aller vers le travail. Et c'est au tout début, hein, c'est le troisième jour pour lequel on aborde la pièce. Donc là, moi, j'essaie d'aller un peu pousser la machine vers vite le toucher, le contact, pour préparer le travail au troisième acte qu'on va aborder là, le début du troisième acte. Le troisième acte, c'est celui du texte Burning Cars, du dramaturge anglais Matt Hartley, dont les comédiens travaillent une scène à tour de rôle en binôme. C'est pas le mien. Non ? Non. Non. Bon, tu me laisses faire ? Putain, fais chier, on se croirait dans une disco de merde. Putain, fais chier, on se croirait dans une disco de merde, là. Ils peuvent pas éteindre leur gyrophare. Ils peuvent pas éteindre leur gyrophare. Ça fait... Ouais, et par contre, ça peut, il peut être impatient. Oui, putain, toutes mes fringues. Oui, c'est ça, par là, cherche-le par là. Qu'est-ce que t'attends ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs binômes qui jouent les mêmes scènes ? C'est que c'est un procédé qu'on utilise depuis le début de notre création du petit théâtre de Pin. Ils peuvent pas être plein de leur gyrophare, ça fait... Une demi-heure. Mais je sais combien de temps ça fait. La tournée autour, ça sert à quoi ? La tournée autour, là, ça mène à quoi ? Tout se planter autour comme ça. Tout se planter autour comme ça. On part du principe que tous les acteurs sont partie prenante de la recherche, qu'il n'y a pas de, il n'y a jamais de distribution préétablie. Ce qu'on cherche, c'est d'essayer de créer un espace pour tout le monde, toutes les idées, toutes les intuitions, toutes les envies. L'idée, c'est de jamais fermer la porte à l'une d'entre elles. Ça crée comme ça plusieurs versions et une manière de chercher la situation, de chercher les personnages par strates. La nouvelle création du Petit Théâtre de Pin, Boxon, se produit à Eysines en Gironde. Première date d'une longue tournée dans toute la France. Plus la devine entre nous, je sens pas trop. Il y a quoi d'autre ? Pour toi, Tennisman. Tennisman ? Quand ? Le combat commence dans une heure. Non mais je peux pas jouer au tennis, on est d'accord. On n'est pas d'accord, non ! Fallait rentrer plus tôt ! C'est une recherche sur la thématique du pouvoir. Au départ, du point de vue de ceux qui l'exercent, et puis très vite, c'est orienté vers autre chose qu'on a appelé notre servitude participative, qui serait un mix entre la servitude volontaire de la Boétie et notre démocratie participative, où on a exploré notre capacité d'être humain à accepter l'inacceptable. Quand tu vas crever, parce que tu vas finir par mourir un jour, le pognon, ça protège pas de la mort, tu vas en faire quoi de ton fric ? Cette année, depuis le début de l'hiver, un groupe de palombes a élu domicile autour de la maison. Elles sont farouches. Au moindre bruit, elles décollent dans un grand sifflement d'ailes. Et puis elles se regroupent en hauteur et commencent à tourner. Si elles ne voient personne, elles finissent par se poser, petit à petit, par petits groupes. Ça peut prendre des heures avant qu'elles ne redescendent au sol. Des fois, ce n'est que le lendemain. Je vais chez Raymond, mon voisin d'à côté, et il n'y a qu'un bout de bois à traverser. J'ai choisi de vous présenter mon voisin Raymond par Troops aux éditions Futuropolis. Troops est un auteur et un dessinateur de bande dessinée qui a beaucoup voyagé et beaucoup publié. C'est un amoureux contemplatif de la nature. Il nous livre ici une bande dessinée qui se passe en Périgord. C'est une bande dessinée sur la transmission des aînés aux plus jeunes. Troops habite en fait au cœur de la Dordogne, dans une ferme, à côté de chez Raymond, octogénaire, qui est une véritable mémoire vivante de la vie à la campagne.
Et ils ont une relation un petit peu particulière, une relation donc de voisinage, mais aussi véritablement une relation d'amitié. Le plus jeune aide l'ancien dans les travaux les plus pénibles, et en échange, l'ancien lui transmet tout ce qui touche à la nature et à la vie à la campagne, la taille des arbres, la cueillette des cèpes. Voilà, c'est un véritable hymne à la nature. Les dessins sont très tendres et les personnages très attachants. On retrouve vraiment les paysages du Périgord. Et si on lit cette BD sans savoir que ça se passe ici, chacun peut s'identifier à son petit coin de campagne. Les riches heures font vibrer les plus beaux lieux patrimoniaux de l'Aréole, plus petit bourg de France classé ville d'art et d'histoire. Inconditionnel des musiques anciennes, Jean-Christophe Candot répète ce matin un requiem avec les musiciens de son ensemble Vox Cantoris. Nous sommes tous réunis comme, vous savez, comme une équipe de rugby là, qui fait une mêlée, voilà, autour d'une même partition. Et nous sommes dans les mêmes dispositions que les chanteurs d'alors, quand ce requiem de Charles Delfer a été chanté pour les obsèques de la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Je crois qu'il y a eu 40 jours de deuil. Imaginez, 40 jours de deuil. Le festival se déroule dans des lieux patrimoniaux. L'Aréole est une ville d'art et d'histoire, c'est un label, hein. Et en Gironde, c'est la seule avec Bordeaux. Donc il y a quasiment tous les siècles qui sont représentés ici. Il y a les maisons à colombage médiéval, il y a les maisons du 17e, du 18e, le cloître lui-même, l'église Saint-Pierre sont des lieux essentiels pour la programmation du festival. Ici, on se trouve dans l'hôtel de ville de l'Aréole, l'ancien hôtel de ville qui date du 12e siècle. Qui a été construit à la demande de Richard Cœur de Lion, en période des croisades. Et précisément ce soir, on aura le quatrième concert du festival avec du violon baroque et du clavecin. À chaque époque, il y avait des langages bien typés selon les régions. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'essayer à chaque fois que je joue une musique d'une certaine époque, d'un certain lieu, d'essayer de trouver une couleur différente, trouver une manière de jouer, une manière d'être aussi, une manière de penser. Quand on réveille une musique qui a plusieurs siècles, l'interprète d'aujourd'hui, il a une photo en noir et blanc, si vous voulez. Et son travail, ça va être de retrouver la couleur. La musique, elle est vectrice de l'histoire de l'homme. Par exemple, on va entendre l'ensemble Clément Jeannequin qui chante, par exemple, la bataille de Marignan. Ils vont chanter cet après-midi la chasse. Voilà, la chasse, qu'est-ce que c'est la chasse ? Qu'on change le texte, mais en fait on fait exactement ce qui est écrit. C'est une musique spécialement moderne pour l'époque. Et le grand problème avec ce répertoire-là, c'est qu'au XVIe siècle, ce n'est pas fait pour être chanté en concert, toutes ces pièces. En fait, la musique officielle est à l'église, et ça, c'est uniquement une récréation entre gens qui la font entre eux. Thank you.
toute la question, justement, c'est comment on peut faire partager ce plaisir qu'on a entre nous au public. Donc nous, notre réponse, c'est évidemment de théâtraliser un peu plus la musique qu'elle n'est. Donc c'est tellement coloré, tellement fort, qu'il faut absolument que tous ces gens qui viennent, qui étaient nombreux d'ailleurs, puissent rentrer avec nous autour de la table. À côté de la diffusion, s'est posée très rapidement la question de comment intéresser les amateurs, et notamment tous ceux qui aiment chanter. Je suis venue découvrir du répertoire, le répertoire que j'aime, le répertoire de la musique baroque. Je suis venue apprendre avec Jean-Christophe Kando, qui je trouve est un merveilleux chanteur et un merveilleux pédagogue. Je découvre tout un univers à chanter, c'est une musique qui fait vraiment du bien. Je suis emballée et puis l'aréole, c'est vraiment un écrin qui est fait pour ça, quoi. Là, chante-le là. Dis. Là. Ouais, ça tu. Et moi, au début, on me disait, mais c'est plutôt un festival de grande ville. Non, non, j'ai dit, la grande ville, c'est ici. Ce que je voudrais faire à notre petite échelle, c'est ouvrir un Louvre sonore. On va entendre Hildegard de Bingen avec Olivier Messiaen ce soir, et ce sera le concert qui va parler de la vision artistique du festival. Donc on a deux personnalités séparées par 800 ans. Pourquoi les rapprocher? Eh bien parce que l'un et l'autre parlent de l'homme comme le centre de l'univers. Il est à la fois au centre de l'univers et à la fois l'univers est en lui. Une expérience humaine, musicale, artistique qui est assez incroyable. L'alternance comme ça, Hildegard von Bingen et Messiaen, c'est une première ici et je pense que c'est une première tout court en fait. Donc ça me donne vraiment envie de reprendre cette idée. Ici quelque chose qui est vraiment unique par rapport à toute l'offre culturelle que je peux connaître ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un très très haut niveau artistique, on l'a encore vu ce soir, où on était tous suspendus au violoncelle d'Ophélie Gaillard. Mais ce qui est formidable ici, c'est que c'est aussi un lieu où, une fois le concert fini, on peut rencontrer les artistes. On sent que la musique n'est pas uniquement dans quelque chose de consumériste. C'est pas seulement les gens qui viennent prendre leur billet, voir le concert et rentrer chez eux après. J'étais là pour la 10e édition, je serai sûrement là pour la 11e, la 12e, la 13e, enfin voilà. Chant Libre saison 2, c'est fini.
En attendant la suite, retrouvez nos 12 numéros et quelques-uns de nos coups de cœur sur tv7.com. Du design et de l'architecture avec le domaine de Boisbûcher, de la musique symphonique en compagnie du Josem, mais aussi Sarlat, transformée en capitale du cinéma, une bonne dose de vélo et de concert avec Ouvre la Voie, les illuminations du Centre d'art contemporain de Meymac, le théâtre très nature du Festival Pampa, l'univers envoûtant des arbres-à-son de José Lepiès. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.